Sébastien Lemoran, on craque sur jambon, qu'est-ce que t'en penses toi? Monumental, à température, ni chaud ni froid. Les amandes là tout juste torréfiées, un tout petit peu salées, à peine. Elles sont juste chaudes. C'est sincèrement miraculeux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un jambon comme ça. Oui, hein, ouais. J'attends de savoir d'où ça vient. Ça vient d'Espagne, évidemment. Oui. Mais le chorizo était énorme, le lomo était énorme. Et le jambon, voilà, il est parfaitement au top. Là, voilà. C'est hyper gras comme on aime. Mais pas du tout écœurant. Belle précision aromatique. Hein. Il a lui-même des tout petits cristaux de sel. Ouais, on le voit. Il est absolument équilibré. L'idée des amandes grillées, moi, je trouvais fantastique. C'est la première fois que je vois ça, moi. Tu as mangé ça en termes de texture? Non, je sais pas. Connaissant David, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose d'authentiquement espagnol là-dedans. Même en Espagne, j'ai jamais mangé. Mais en Espagne non plus, non, je l'ai jamais mangé comme ça. C'est une belle idée. Hein. Mais c'est une super belle idée. Et c'est très intéressant. On pourrait imaginer des amandes effilé, torréfié, grillé légèrement avec pareil ce rien de sel là qu'on voit là. Ça fonctionne très 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 bien. L'amande elle est ultra croquante. Non, c'est un pincho comme ils disent, qui est fantastique. Enfin, c'est génial. Moi, j'ai envie de mettre les mains dedans et de me salir les mains comme ça avec le gras là, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça ramène le jambon sur le végétal, et ces jambons là, ils sont très végétal d'une certaine façon. Hein. Là, il y a, moi je sais pas, il y a quelque chose que je trouve de très. Il y a le côté pure noisette qui est intéressant sur le gras. C'est rance, mais pas trop rance, justement. On s'en met partout. Et là, le côté, à mon avis, formidable qui emporte vraiment le truc, c'est le côté grillé de l'amande. De l'amande. Et alors maintenant, tu sais quoi, c'est un maquillage presque magnifique parce que tu as les lèvres couleur. Bah ouais, ça brille. Voilà. Ah, c'est un vrai. C'est le plus beau des gloss qui soit. Ah oui, c'est magnifique. Et ça me rappelle justement un jour au off, il y a quelques années, je crois qu'on était encore au Havre à l'époque, et Ferran Adrià nous avait fait un truc qui était très marrant et très, voilà, très drôle et très sensuel. En parlant justement des cinq sens au moment de la dégustation. Et il disait, et il avait fait le geste sur scène, quoi. Vraiment, voilà, on va prendre cette tranche-là. Il avait fait ce geste-là. Il prenait son bout de jambon et il disait, voilà, moi, il y a un truc que j'adore. Ah, c'est ça. Ouais, le sentir sur la bouche. Voilà. De se le mettre. Voilà, d'abord, juste comme ça sur les lèvres. Qui est un geste qui est à la fois barbare et ultra sensuel, je trouve, parce qu'on n'a pas effectivement l'habitude de se tartiner comme ça de nourriture. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a de plus doux que les lèvres pour sentir une texture? Là, hein, c'est extraordinaire. Là, c'est encore une fois, c'est le plus beau des. Tu sais que les doigts là, ouais, c'est le plus beau des gloss qui soit. Mais là, on n'utilise pas assez ses lèvres finalement, parce que tu sais que les grands chocolatiers tempèrent le chocolat. Ouais, absolument. En le mettant sur leurs lèvres. Ouais, absolument. Et quand tu sens un contact presque froid, ouais, le chocolat est tempéré. Et là, intéressant, on sait qu'on a, hein, le. Ouais. Mais là-dessus, ce qui est génial, c'est que ça passe des lèvres au nez. Oui. On le sent, le jambon. Et l'amande, mais vraiment, quitte à me répéter, c'est super. Dément. Le côté torréfié. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie de travailler le plat presque de façon un peu plus complexe, d'essayer d'en faire quelque chose, je sais pas, avec un. On parlait d'encorné tout à l'heure, je sais pas, encorné, jambon, amande. Il y a un petit truc à imaginer. Ou simplement du gras de jambon comme ça mis à fondre sur un encorné, tel quel. Des amandes effilées, torréfiées.
C'est monstrueux. Attends, ce jambon, il est extraordinaire. Et non, on finira par savoir ce que c'est. Bon, selon Sébastien Lemorand, on a trouvé le meilleur accord. Ah oui. Un chardeau de Pierre et Manu. Alors Pierre Vernois, Emmanuel Houillon, 2007. Ouais, et là du coup, il nous manque du jambon maintenant. On va redemander du jambon, non? On va être obligé. Hein, On n'a pas le choix. C'était quoi ce jambon de folie? Eh ben. Je peux me permettre avant de répondre à ta question. Bonjour Mathieu. Te présenter Mathieu. Qu'est-ce que c'est? Ce jambon de folie, c'est un jambon qu'on va chercher en Espagne et qui vient toutes les deux semaines de Salamanca. Et c'est un contact qu'on a eu par un vieux monsieur qui est un ami de la famille et qui est d'origine espagnole. Et, on a jamais mangé un jambon aussi bon avec Sébastien. Et servi à la perfection. T'as eu les petites amandes et avec. Les amandes grillées, ça vient d'où ça? Bah, les amandes. Ça, Salamanque, non? Non, quand t'es en Andalousie et que tu vas dans un troquet qui est moitié épicerie, moitié tabac, moitié cuisinière, moitié vente de presse, de temps en temps, tu tombes sur une Andalouse qui te met las migas ou qui te met des petites amandes avec le jambon. J'ai jamais eu ça, moi. Ouais. C'est génial, la perfection. Ouais. Ouais. Vraiment génial. Bah écoute. Avec Mathieu, ici présent, El Compadre. Alors c'est qui Mathieu? Mathieu c'est le catalan, c'est le chef. Mathieu c'est le gars de Perpignan. C'est toi qui fais à manger? Ouais. Qu'est-ce que c'est de faire à manger quoi. Il est caissier. Non, ouais, qui fait à manger. Le midi surtout, tu vois. Le soir, on est plus à faire. Envoyer des tapas, envoyer des choses. Faire comme la tapas, ouais, parce que ça se prête ici quand même. La croquette à froid était très bonne aussi là. T'as vu? Ouais. Ça se prête à faire des apéros, quoi. Ouais. Ce bistrot qui est super bon. Bonjour. Mathieu, c'est aussi un gouvernail. Hein, parce qu'il a une sacrée expérience de la restauration et il a dirigé, il a fait partie des équipes qui dirigeaient des choses. Alors que moi, j'ai plutôt été que serveur toute ma vie. Et. Disons qu'en fait, si tu veux, moi j'ai. On a tous les deux beaucoup d'enthousiasme et. Mathieu, c'est aussi un gouvernail. C'est un chef, quoi. C'est chouette. Oh, c'est vrai.